frérot, on l'aura jamais, c'est impossible. 189, 189. Mec, Molo, regarde ce qu'il fait. Reviens, mon dire Wall. Ah, il est là. Il y a un beau feu de camp maintenant ici. Hein. Frérot, le mammouth a givré. Ok, incroyable, non? Il fait un soleil. Comment il fait? Oh, Dieu. Oh, Dieu. Ce jeu me hype zéro, vous m'entendez? Mais il est premier sur Steam actuellement, Palworld. Pourquoi il me hype zéro? Parce que j'ai vu des images et je sais pas, on dirait un fan game quoi, ça a pas l'air dingue. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je vais être complètement accro juste derrière. Il fallait qu'on teste parce qu'il y a le petit côté survival qui nous plaît évidemment avec Locke depuis des années. Et puis il y a le petit côté Pokémon qui est la Madeleine de Proust ultime de toute notre génération. Il nous a même poussé à accepter des sorties de jeux désastreuses de Nintendo. On les achetait quand même, on fermait les yeux, on disait rien, alors qu'ils se payaient clairement notre tête. Mais j'ai envie de découvrir. Bienvenue, ok, donc c'est donc ici qu'on arrive. Donc déjà, première étape les gars, ceci est des TP, c'est des petits points de contrôle où vous pourrez vous téléporter rapidement entre bah, tous les téléporteurs que vous trouverez. Donc, au début, on va devoir... ouais, tu peux, ça peut prendre de la nourriture et tout, vas-y, viens, on le... Exactement, je vais prendre de la nourriture. Voilà, bon, tu montres un peu, hop. Est-ce que quelqu'un peut craft un établi? Alors, où voulez-vous non, que je... Non déjà. Et non, pour ça, il faut ramasser du bois. Raté. Là, il y en a, avec toi qu'on a ramassé un petit peu. Donc mais t'inquiète, avec nos bras, frérot, ça va aller très très vite. Hein. Oh là là, avec nos bras, ça va aller extrêmement vite. Regarde-moi ça. Et ça bosse, si ça bosse. Ah, mais le problème, c'est que les quêtes, elles sont pas en commun. Genre, moi aussi, je dois construire l'établi. Ouais, bah t'inquiète, tu pour en ramasser. Du coup, je le construis. Les gars. En fait, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas d'outils, on peut pas aller justement le péter l'arbre, etc. C'est compliqué. Ouvre l'écran technologie et débloque sphère de spal. C'est où sphère de spal? Ah oui. Il faut des éclats de palladium. Mais où pouvons-nous trouver de l'éclat de palladium? Go Taga. Il faut trouver de la pierre et du bois qui est un peu partout. Doibi, viens voir. Là, il y a un minerai en bas. Où ça? Ah non, bâtard! Bâtard! Ah, au secours! Oui! On peut grimper! Oh merde! Oh oui, regardez, c'est même pas! Attends, les gars! Mais vous pouvez me tuer! Le palladium, je pense que c'est ce truc bleu en bas, mais pour faire ça, faut une pioche! J'ai les boys, j'ai la boîte à pales! Tu l'as déjà faite? Non, je te crois pas! Non, il l'a pas faite! Il me faut les matériaux! En gros, au début, dans un premier temps, dès que tu gagnes un niveau, tu peux déjà te renforcer en appuyant sur Tab, il y a un truc à droite, renforcement de statut, et gagner une stat. Les stats que je vous conseille au début, c'est le poids et l'endurance. Le poids, en fait, c'est pour porter des choses dans ton inventaire. Et vu qu'il y a des choses lourdes, il y a des minerais qui seront lourds, etc. Quand tu dépasses un certain poids... Ah, ok, je capte. Ok, messieurs, malin, dites-moi où se trouve le palladium, je vais en récolter. C'est le palladium qu'on cherche, et ben on te suit. Je suis là, je où est-ce qu'il est? Ah bah oui, il a raison, ça brille. Ah bah oui, le palladium. Et ensuite, on est bon, on se fait une sphère et on va capturer un mouton, c'est ça? Et ensuite, le mouton, il va bosser pour nous gratos, c'est ça? Sûrement. Eh, c'est une métaphore du capitalisme ou quoi? Ah bah tu vas voir, t'es pas au bout de tes surprises. Les gars, je dois aller faire des sphères de pales. Donc je vais faire des sphères de pales et ensuite on va capturer un pal, les gars. Notre première capture ensemble, je suis hyper ému. Alors technologie, sphère de pales. Et il nous faut... de la pierre, j'ai plus de pierre. Bougez pas, je vais en prendre. Là, sur ce truc. Nope. C'est fini. Et la pioche, j'imagine, elle... Ah ouais. Elle a une vie, la pioche, ou je l'ai jusqu'à la fin? Ah non, elle a une vie. Alors, oui, non, mais même quand elle a zéro, elle se casse pas. Faudra juste que tu la répares avec des ressources. Ok. Je fabrique 4 sphères de pales, comme ça vous pourrez en prendre une chacun, les gars. Régalez-vous. Je vous aime. Et 2 sphères de pales, 2. Oh, c'est bon. Alors, les gars, on dirait bien que j'ai attrapé un chiquipi. Vous avez un chiquipi, vous? Non, j'ai rien encore, je suis bredouille, les gars. Voilà. Non, venez m'aider à la finir. Pâle. J'arrive. Oh, mais c'est immense, frère! Les gars, je vous présente chiquipi. Tu l'as? Tu te balades avec, quoi, c'est trop mignon. Ah, j'ai mis... Là, dedans, tu peux mettre tes pales, tu peux mettre tes trucs, tu peux les mettre dedans. Bon, les gars, là, le but, c'est d'aller piocher du bois, de la pierre. Faut qu'on se fasse énormément de Pokéball. Vous prenez ça. De Pokéball, mais dans un premier temps, ouais, faut essayer d'aller farm tous les trucs autour. Et on fait quoi quand on commence à être boost up? Des coffres et tout? J'imagine qu'il y a des coffres à faire. Ah, mais ça a dû combler l'Oclear de bonheur d'ailleurs. Mais du coup, faut établir une base là, dans pas très longtemps. Regardez, je commence à vous mettre une table de craft. Hop, là, je suis en train de vous crafter un petit coffre pour poser des objets. Oh, les gars, je vais capturer énormément de pales, je peux m'en fabriquer 13. Vous savez quoi, les gars? Je vais devenir le log, je vais m'occuper de la base. Et vas-y, allez vous amuser à capturer des trucs. Oh,
honte. Bah, si tu veux, je te fais une batte. Une batte de baseball. Oh, ça m'intéresse. Non, je vais m'en faire une et je vais même t'en faire une aussi. Non, j'ai déjà. Bah écoute, voilà, je me la fais. Donc je suis armé. Ouais, oh, je me la fais moi-même, hein, tu sais. Oh là là, mais ça, j'ai tellement bien compris le craft et tout. Ouais. Ah bah je vais t'aider. Ah merde, non, attends, faut le capturer. Mais non, pas lui. Si, les gars, on va avoir besoin de travailleurs, les gars. Faut les mettre à l'eau. Hop là, j'enchaîne. T'as un grand dresseur. Je suis le plus grand dresseur. Hop là, j'enchaîne. Je suis le plus grand dresseur. Il est si fort. Oh là là, les gars, on va rendre cette map. On va vraiment là, je les envoie toutes à l'usine. Attends, je vais. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est quoi ça? Y'a un big truc. Faites gaffe si vous vous attaquez au gros truc. T'inquiète, il est pas là le gros truc encore. Ah! Y'a une tornade sur le camp, Goat! Il est en train de te défoncer! C'est votre les gars, moi je. Est-ce que s'il l'a gros, c'est toute la team ou c'est que lui? C'est le mouton que j'ai dressé qui sert. Les gars, y'a une mutinerie dans le camp! Y'a une mutinerie dans le camp, je rigole même pas! Voilà, reste-moi, je t'en supplie! Les gars, les moutons se rebellent! Les moutons. Fais un enclos, Gota! Ouais, je vais être un. T'inquiète, je vais t'inspirer pour. Voilà, cool. T'inquiète. Écoutez-moi bien, il ne m'aura pas fallu plus de 10 minutes de jeu pour être complètement accro. Ouais, c'est bien foutu. Il y a des montures, des trucs, oui, j'imagine. J'imagine que oui. Attends, lui, je l'ai pas capturé, lui, je le veux, lui. Viens là, toi. Je suis désolé, Kativa, mais à un moment, on a rien sans rien. Et le camp, pour le faire passer de level, est-ce que t'as besoin de nouveaux matériaux? Pas pour l'instant, donc occupez-vous de la pierre, bois et de trouver des Pokémon. Continuez d'XP, les gars. Merci, j'ai mangé ça. Non, c'est la production d'arc. Travailler. Ah bah là pour l'instant par exemple tu vois là ils m'aident mais normalement t'as dû capturer des Pokémon, t'appuies ouais, sur mais eux. Comment je... Ok. Hop et là t'as balancé ton Pokémon que t'as capturé, t'en as 5 normalement sur toi et tu. Ouah mais c'est trop long à faire des flèches frérot. Et ils peuvent pas tous m'aider à l'établi là, à faire des trucs là. Ouah y'a un putain de Pokémon de fou là. Oh je vais le déglinguer. Oh je vais le déglinguer. Pop hop hop hop, vous allez où monsieur le cerf? Ouah pop hop 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 hop. Hop là pas le déposer Hop là, prends toi ça espèce de naze. Hop! Oh, oh putain, je vais revenir avec lui, ils vont être tellement choqués les autres. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est vraiment mes premières heures. Les autres qui travaillaient et je revenais. Oh les gars! Non. Voilà mon bébé! Allez, fume-le! Oh, t'es en train de tuer! Doug, prépare-toi à Please, potentiellement aller le réanimer. Please! Sa vie est quand même descendue. Qu'est-ce que t'as croisé? T'inquiète pas, mon Doig. Mais il... T'inquiète pas, mon Doig B. Je peux te dire que je suis un as. Il se déchaîne, le petit, là. Est-ce le mammouth, là, on se le fait ou non? Au niveau 38, waouh. Oh, c'est trop bien comme ils affichent la barre. Oh, tu vois ce mammouthas? Oh, le mamores, comment je vais le capturer? Mais t'as vu comment la barre d'HP, elle apparaît? C'est incroyable. Un bal, si tu vas le taper. Oui, c'est comme dans Zelda. Ça me rappelle un truc. Doig B, t'as pas les couilles d'aller tirer la queue du mammouth. Je te le dis direct. Le tape pas. Non vas-y, approche-toi. Les gars, est-ce que vous pouvez pas me ramener des Pokémon autres que des moutons s'il vous plaît dans la sale base? Sale bâtard. Chez, il s'est rimbassé. Avec ton mouton là. Vas-y t'inquiète, toi prépare-toi. Les Et là je retourne faire des doublons, des trucs comme ça. Mais le problème c'est que mon stuff il est full là, je dois créer des... Oh ah, pose. En fait, toutes les pierres, le bois, etc. pose. Ah oui, ça se fait des boucliers déjà si c'est... Oh non putain, il a vu. Okay, ouais, j'essaye déjà... d'avancer putain. Est-ce que tu veux me déposer un autre Pokémon ou pas? Bien sûr, tu veux quoi d'autre? Un quoi? Aïe, mais il envoie du feu quand je capture! À part les ronds doudous, j'ai un. J'ai chaud! Oh! Une barre d'HP en plus. Non? J'ai pas ma vie à l'écran. Putain, je sais pas, change d'arme, fais un truc. Tape-le, déglingue-le. Voilà, vraiment, encore. Barre, ah oui, c'est bon, ouais. Ouais, j'ai une barre bleue. T'as une barre que non, on a pas. Oui, encore, attaque! Oui, c'est bon, attention, il va mourir! Viens m'aider, Doig B! Il m'a déglingué, prends le TP, s'il te plaît, T'as pris le TP en bas? Non, je sais pas prendre le TP, j'ai pas encore compris comment ça marche. Cours, t'as 70 secondes! Ah, là, normalement, t'appuies là et t'appuies sur. Il m'imite ce bâtard! Il m'imite! Problème. Pourquoi je vois mal bout? Je suis derrière la montagne, viens vite! Mais tu m'as de l'autre côté, vite! 5 secondes! Ah, de l'autre côté du caillou! Allez vers le mammouth! Allez, va au mammouth! J'arrive, ça! Je suis mort! Oh mon dieu! Arc triple? Un arc qui peut tirer 3 flèches à la fois? Oh, je vais être jaloux là, attends, va pas trop vite. God damn. Par contre, vous avez très vite compris comment faire des arcs et tout, hein. Putain, c'est elle. Oh là là, j'aime trop ce jeu. Hey, je vais repartir à l'aventure, mais là, ça va être la plus grande aventure de ma vie. Reparlons de ce plagiat, c'est quand même vraiment des bâtards d'avoir plagié. Le jeu est vraiment nul. Franchement, c'est des énormes bâtards, merci à eux, je me regarde. Allez, on avance. Pardonnez. Ouh.
Oh, alors là, quand je vous dis que Dwagby va être jaloux. Oh putain. Ça fait quoi? Les gars, j'ai vraiment besoin de Pierre, s'il vous plaît. Pierre, c'est vraiment pas longtemps. Là. Dis-toi que je suis à l'ATP, je suis venu juste de capturer. Oh, Dwagby va péter les plombs si je l'ai. Dwagby va péter les plombs, allez, allez. Nope. C'est con. Il va me tuer? Non, il me tuera. Nope. Allez. Allez. Nope. C'est pas possible. Encore. Oui. Oui, Dwagby va péter les plombs. Dwagby va péter les plombs. Moi, je te ramène ta pierre de merde, lui, il a des trucs de fou. Tu mets bien, je te jure que je serai dans ta team. Oh, le menteur. Attaque suicide de Toko. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Dans la baie, venez m'aider, venez m'aider. Gotaga, tu es où? Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, tu es où? J'arrive d'en haut, viens, on va les fumer. Ok, je vais les déglinguer. Gotaga, je vais te révéler ce que j'ai eu dans mon sac. Vas-y. À toi de jouer, Nightwing! Oh, c'est pas mal, écoute, t'as chopé. Vas-y, mon Nightwing! Protège Gotaga! Mais il en branle pas une, putain! Allez, merde! Merde! C'est bon, il attaque, il envoie des tornades! C'est bon? Ouais, c'est super, on a repoussé l'attaque, merci beaucoup, Lucas. Super, super. J'ai toujours là. D'avoir un Pokémon travaux manuels sur toi. Viens là, mon bébé, viens m'aider. C'est bon, il est là, il est là. Et bah voilà! Voilà, mon bébé! Sale chien, monsieur. Il s'est barré! Tu l'as mis dans la prairie, je crois. Dwagby va avoir la plus grande jalousie de sa vie. Non, je peux plus avancer. C'est bon. C'est bon. Frérot. Dwagby, tu es où? Là, tu vas avoir Dwag et voilà. Dwagby. Non. 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 Avec sa lance Dwagby et tout. Il est beaucoup trop stylé. Avec sa lance et tout, non. Non, 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 non. Alors que moi j'arrivais même plus à me déplacer, j'étais bloqué sur place, tiens, j'ai filé beaucoup de bois et beaucoup de pierres. Oh, c'est exceptionnel. Oh, c'est exceptionnel. Oh mon dieu, je suis tellement... Oh putain, je peux même lui envoyer des spells avec lui. Oh mon dieu, c'est exceptionnel. 13 fers de pâle, c'est ok pour faire la tour ou on a besoin de plus? Alors la tour, tu vas rien capturer dans la tour. Dans des donjons, par contre, il y a des donjons. Vas-y, Dwag, Dwag, go faire la tour, on y va mon Dwag. Allez, ça part. Voyage rapide. Elle était où déjà? Elle était là, je crois. Non, elle était là. Allez, hop, ça, on y va, allez. Dwagby, j'ai un autre Pokémon à te montrer. Oh bordel, encore. Et la grotte là, pourquoi on se fait pas la grotte, frère? Il y a plein de Pokémon qu'on n'a pas capturé là-dedans. Les donjons, vas-y, c'est... les donjons, il y a plein de trucs à capturer et tout. Tape-toi, Dwag, s'il te plaît. Vas-y, j'arrive, j'arrive. On y va, mon ami. Allez, on y va, mon ami. Qui est le bel? Bon, vas-y, frérot, je vais dans la grotte. Hein. L'autre, il prend tout son. On y va? Bah oui, je vais pas la tour, hein, la grotte. On n'a jamais fait une grotte. Ok, I'm good, je me tais pas la tour. Voyage rapide, Quizos. Ok, j'en ai eu un. Il y en a plein des nouveaux là. Non, mais t'es dans la tour ou t'es pas dans la tour? Je suis pas dans la tour. Dwag, t'es dans la grotte ou pas? Je commence à avoir peur. Oh que oui. Comment tu fais pour utiliser une méga sphère ou utiliser une sphère pâle, Gotha? Ah, t'appuies sur la. Sur ok, j'ai trouvé. Ah, et ouais. Tu fais coup de molette. Ouais, j'ai compris. Pour ça, ils utilisent hein. Zeph? Où est le boss, frère? Ah, dans l'eau là? Par là? Mais attends, du coup, il faut un Pokémon haut pour y aller, non? Mais non, y'a rien, les gars, ça mène au même endroit. Ah, si, y'a un arbre. C'est ça? Permet de déposer. Oh, c'est sûr, c'est là. Oh, je le vois. Dwagby, t'es là? Moi, je suis derrière, ouais. Ok, mon frérot. Quand il est low life, retire tes Pokémon. Je vais les capturer en balle. Oh, c'est un boss. Faut le capturer, Dwag. Tu m'entends? Oui. Dwagby, il faut le capturer. À tout prix. Il est là, il est là, il est là. Il est low, on va le déchirer. Hein, je le dis. Il est nul à chier. Il est là, il est là, il est là. En fait, il y a tous ses potes derrière, ça qui est chiant. Attends, je sais s'il faut que j'envoie. Faut que j'envoie Nightwing. Vas-y, mon Nightwing. Ils font mal de fou là. Est-ce qu'on peut capturer les petits? Moi je peux plus esquiver. Je suis en train de tuer tous les petits hein. Mais je pense qu'on peut les capturer hein. Nope. Ah merde, j'ai envoyé un truc pour rien. Ok, le boss il est où? On l'a tué, mais Dwag, qu'est-ce que t'as fait? Et lui c'est quoi alors? Mais c'est un petit, c'est pas le boss. Mais comment ça? Mais comment ça? Déjà un accident. Ah, c'est mon piaf, c'est moi. Nightwing trop fort. Mon Nightwing il aura roulé dessus. Non, il l'a déchiré, gros. Il l'a déchiré, frère. Bah, au moins, on a le petit singe en souffle. On a le petit singe, c'est bien. On va pouvoir te le mettre au camp, mon cher Gotaga. Et ça, c'est bien, ça. Vas-y, go faire la tour, Dwag, maintenant. On y va. Hein. J'enchaîne. Tu peux monter vite, ou t'as monture? Bah, écoute. Wow. Ça travaille. Faut que t'appuies sur F, ouais. là. Super. On y est. Ah, mais c'est la première tour. Pokéball, toi aussi?
Ah, il y avait des coffres dans la salle avant le TP. Désolé les gars, je suis aveugle. OMG. C'est Mati, what the fuck. Wouah. Ah mais c'est un dresseur genre qu'on va tabasser. Quoi? Donc on a fait une grotte, on a eu Gotha petit point. On a pas capturé le boss et on a pas eu les coffres. Oh, okay, c'est Totoro. Par contre ça, on va le capturer ça. Derlec. Mais non, il est à elle, on peut pas le capturer. On va lui voler. Bah il est à elle, on va pas lui voler. Il est son cœur est déjà conquis. Belek. Nightwing, à toi de jouer. Bah frère, Fox on se met derrière les poteaux et c'est win hein. Merde, c'est pas Foxtrot. Reviens là, Elgrinder. Envoie-lui les rafales de devant. Regarde les dégâts des flammes. Wouah. Nightwing, tu es mal en point mon amour. Regarde les dégâts, c'est monstrueux. Attention de focus. Attention Fox Parks. Nightwing, attention. Nightwing, il va mourir. Oui, Katiba, oui. Oui, Katiba, oui. Mais Katiba, c'est il nous carry le boss. Je suis en train d'assister à distance, j'assiste à distance avec Fox Pratt. Arrête, coin Elo. Tu l'as arraché. Ah, on peut pas le capturer, donc n'arrête pas, dégringue. Mec, le lance-flamme, c'est une dingue. Non, il a tué Fox Pratt. Ne le lâche jamais, Nightwing. Il l'a tué. C'est fini. Oui. Bien joué, mon ami. Nul. Bien joué. Ah, allez, maintenant, c'est le mammouth. Vas-y, on va abuser le mammouth. Si vous arrivez à faire le mammouth, 1000 subs. 1000 subs, le mammouth, t'as dit. Attends. T'as dit quoi? 1000 subs si vous faites le mammouth. Ok, vas-y, go flash enflammé et poison. Et on va l'avoir en 30 minutes. On le bat. Ok, frérot. Si on le capture, c'est 1000 subs. Du coup, je voulais prendre le temps de faire full méga sphère. Mais bon, au pire, juste on le tue. Hein. Ah, juste on le tue, on valide le facile. Ou alors, tu dois faire une grosse Pokéball, c'est ça? Bah, en fait, faut fabriquer plein de méga sphères, mais ça va mettre méga longtemps. Sinon, on prie, hein, frère. J'ai 5... T'as 5 méga sphères et moi aussi. On a juste à prier, en vrai. Moi, je suis prêt, j'ai l'arc trip, j'ai mes flèches. Vas-y, hein. Je pense qu'on l'entoure de feu de camp et c'est tout, en vrai. Hein. Je pense, hein. Ok, t'es prêt? Go step. Attends, mais on a pas fait les feux de camp. Mais non, mais faut les construire autour de lui. Faut les faire par terre. Faire B. Ouais, faut les faire par terre, frérot. Vas-y, ouais. Bah non, mais normalement, Dogby, t'es où? Je les remets à chaque fois dans la base. Oh, ils volent. Ciao. Oh, le bâtard. T'as pris ce qu'ils font en Pokémon. Impossible de construire ici qui est trop proche d'un boss ou d'une installation spéciale. Hein? Oh non. Oh oh. Gotaga avait l'info que ça avait été patché? Ah non, pas du tout, frérot. J'ai zéro info. Attends, on peut peut-être construire et la tirer après en l'aggro. Et on va juste d'un côté puis de l'autre. Ouais, voilà, nickel. Attends, non, je vais lui envoyer une flèche et on va prier. T'es prêt? Ouais. Ok. Ok, prie mon frère. Bonne chance à nous. Putain, il a prié un dégât. Reviens là, toi, Sparky, tu vas te faire déchirer. Ok. Tire-lui dessus. Tire-lui dans le pif. Ouais, un dégât. Attends, il va marcher dessus. Allez. Il contourne. On est dans la merde. Non, Nightwing, tu es mort. On peut vous voir, mais... Dogby, on y retourne. On se casse. Faut faire un U. Ok, on fait un U. Et on se met au milieu. Ok, Dogby, ça a marché. Tu me fais confiance ou pas? Avance, les gars, c'est bon, vous êtes bien? Vas-y, fais un Diago. Ouais, c'est bon, on va le battre. Alors, bouche le trou avec un feu et on est bon. Bouche le trou, doigt gauche. Ouais, ferme le trou, on se met au milieu. Ok, vas-y, le temps que tu fasses ça, je l'aggro. Allez. Et je viens au milieu, viens au milieu. Fini, et viens au milieu. J'ai très chaud, je perds de la vie. On va mourir de chaud. On va mourir de chaud. Non, t'as... Reste-moi, s'il te plaît. Ouais, ça va. T'inquiète, ça va marcher. T'es sûr que tu contrôles la situation? Ouais. Le plan est carré. Ok, je vais le cramer. Ok. Voilà, et là tu le crames à l'infini. Crame-le. Il crame 4000. Crame-le. Ça crame, ça marche. Crame-le-moi, continue. Ok, faut que je récupère, faut juste qu'on tombe au Pokémon. Ok, autant, il crame, ça marche. Attends, je prépare la méga ball. T'es brûle. On envoie d'autres Pokémon, fais des trucs en attendant. Mais comment? Tiens, toi, va te battre. Ils vont y arriver, c'est le choc. Oh my god, mon dieu, tu vois, la vie nous a réunis ici au même moment. Et c'est pas pour rien, mon cher Dwag. On est au top, mon Dwagos. Moi aussi. Vous me fumez.
Attends frérot, et je sais pas ce qu'il a, le fait qu'il y ait moins de PS. Il est un peu énervé là, ouais. Attends frérot, on est dans la merde là. Non non, ça gère, fais gaffe à toi. Oh putain, c'est bon. Fais gaffe, il t'a explosé ta mère. Là c'est chaud frère. Fais des esquives. Reste loin, fais des esquives. On voit ce que tu veux. Mon fuck c'est mort. Mon fuck c'est mort aussi. Ah, tu peux capturer les humains les gars. Non, y'a plus de feu. Dwag, pose du feu. Non, je peux plus. Oh, on est mort. T'as eu un suffisant. Fais gaffe au temps. J'ai un HP. Je l'occupe, okay, fais vite. Je l'occupe. J'ai posé les bails, au moins petit à petit on va pouvoir. Fais vite, je l'occupe. Ah ouais, t'as ouais. Frérot, y'a sa grosse troupe qui me sent le fiac là, je suis pas bien du tout frérot. Ok, t'as fini? Ok, là c'est bon. On voit un Pokémon. Allez. Oh, il lui a fait 16. Attends, faut qu'il perde encore. Waouh, il a poussé mon loup. Frérot, on l'aura jamais, c'est impossible. 189. Mec, mon loup, regarde ce qu'il a fait. Reviens, mon dire wall. Mais frérot, il est complètement stun. Il est où le mammouth? Là, ah, il est là. Il y a un beau feu de camp maintenant ici. Hein. Frérot, le mammouth a givré. Ok, incroyable, non? Viens, on le met à 1 HP. Viens, on le met à 1 HP. Bah oui. Oh les cons. Attends, va pas dans l'eau, ça va peut-être le faire. Va pas dans l'eau, s'il te plaît. Laisse ton loup envoyer des trucs, va pas dans l'eau. Oh putain, les gars, il va mourir noyé. Oh putain, il fait un soleil. Comment il fait? Si jamais il y a une bonne info, j'ai oublié de vous dire, si vous balancez la Pokéball dans le dos du Pokémon, vous avez plus de chance aussi. Je vais vraiment mourir, je te jure, je meurs dans 8 secondes. Et au pire, il y sera encore, non, ce gros con. Je pense. 13. Bien. 10. Tu pas. Okay. 7. Allez, t'es un monstre. 4% de chance. Allez, c'était un monstre, allez. 20. Nope. Non. Quoi? T'arrives? Nope. Ah, il va quand même pas rester. Il se barre, cet enculé. Non. Putain, si on arrive à avoir le Mamorest. Oh. Il a un HP. 3% de chance. Allez. Vas-y, invoque-le, s'il te plaît. Vas-y. Ah, il l'a fait. Dwagby, on l'a fait, je t'aime. Mais frérot, ils l'ont capturé. Dwagby, si t'en veux un, il y en a un qui a spawn à côté, mais c'est pas le boss. Donc il sera un peu moins fort, mais regarde, il est là, regarde. Wouah. Mais c'est pire, tu vas me le passer là pour farm. Regarde comment il farm la pierre. Ah, il est à nous. Bon les gars, prenez soin de vous. Merci pour le live, on s'est régalé. C'était un bon live découverte de PAL. On a bien kiffé, franchement, je passe un bon moment. Ciao. Bonne nuit tout le monde. Merci pour la soirée, c'était cool. Ciao.